call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go up like a weapon. Fuel to the top, gotta fill that bench. In my thoughts, trust me. I will not stop. You'll never see me guessing. I got a god. Ce genre de dunk en plein match, reste bien jusqu'à la fin de vidéo parce que tu vas voir que, bon, pour en avoir tout ça, il a fallu bosser et bon, ça n'a pas toujours été facile. Bref, j'en dis pas plus. Voilà, reste bien jusqu'à la fin, c'est un vlog sur le basket et je pense que tu vas kiffer. Les gars, c'est le vlog de qualité, c'est parti, le vlog sur le basket, sur un match contre Kurji, les gars, les frérots. Kurji, c'est une équipe que j'ai joué quand j'étais à Corvol l'Orgueilleux. On jouait contre eux, je crois, pas en déport, en région, ouais, jusqu'à mes 18 ans, je crois, un truc comme ça, et voilà, ça va être marrant de retourner là-haut. En fait, il y a une montagne, c'est tout en haut de la montagne, et puis il y a une gymnase, et il y a tous ceux du village qui remontent, et puis qui te mettent une ambiance de folie. Ils sont juste à 1 mètre de toi, et normalement, ils te crient dessus, ils disent n'importe quoi. Mais bon, ça c'est, voilà, on a l'habitude, enfin, en tout cas j'ai l'habitude, donc ça c'est cool, on verra si c'est toujours cette ambiance. Là en tout cas, bah les gars, on est vendredi, hier il y a eu l'entraînement, je vais te mettre juste après, donc tout de suite là. Fait des matchs, on a revu un petit peu quelques fondamentaux, j'ai mis aussi des plots sur le terrain un peu plus serré parce que on va avoir un terrain de basket très serré, il faut s'habituer à ça. Du coup, j'ai mis des petits pots pour mettre des petits repères et puis voilà. Donc voilà, ça c'est pour en tout cas ce qu'on a fait hier. Là aujourd'hui les gars, on est tout simplement là avec Hugo, on va faire un petit peu de shoot. Là on est sur préparation du thé, petit brownie et tout, et le voilà. Un petit peu de retard. Oui, je vais chercher les gosses. T'as été chercher les gosses? Il va bien, Emric? Il va les poser à manger à midi. Ouais. À la cantine. Enfin, ils vont à la cantine. Ouais. Et comme ils sont pas à la cantine, je les ramène manger. J'ai fait à manger toute la matinée. Ouais. Ils mangent et après, je les ramène à l'école à 14. Ah, bah c'est bien. Bah, moi, j'ai ramené ma fille aussi, là, Cynthia. Ah oui, Cynthia. Oui, elle avait poney. Elle a poney. Poney. Poney, ouais. poney, ouais. Là, c'est poney. Et puis là, Emric aussi, mais. Il est pas malade, Emric? Non, non, mais il a la danse, là. Okay. Il a la gym, là, de 8h jusqu'à 17h. C'est la gym aquatique. Ah, il savait un stage, c'est vrai. Oui, voilà. Quand on aura cette vie. Hein. Ah oui, quand on aura cette vie, ça sera pas maintenant. Hein? Bon. Bon, ben voilà. Tinez. Non, ben voilà, là, chef. Ça va les genoux, toi? Ça va, oui. T'as rien? Je suis bien en ce moment. C'est vrai? Je suis sur mes guiboles. Là, je suis aussi, ça va. Mais t'as tordu ta cheville et là, tu reviens tranquillou? Ouais, je fais beaucoup de mobilité et tout, donc je suis bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Plus de dunk, par contre. Ouais, si, si, on va essayer. Si? Un petit peu? On va essayer. Tu vas essayer? Ouais. Bon, parce que la communauté, elle attend que ça. Bah, tant mieux pour eux, bah, alors, ça serait bien que ce soit eux qui dunk. Ouais. Ils attendent que ce soit moi qui dunk. C'est pas ça, là. On a fait une grosse perf contre une équipe au tableau. Là, on joue une équipe bas de tableau. Toi, tu le sens comment, honnêtement? Est-ce que tu penses que ça va être facile? Est-ce que c'est un match qu'il faut, il faut le prendre comment, selon toi? Soit dernier, premier, deuxième au classement, tu faut que tu joues comme si c'était le premier et comme si on jouait contre les premiers. Donc, il faut se donner à fond. Ah ouais? Après, voilà, après tu sais, nous, on vise la montée, donc faut pas faire les stars, il faut jouer chaque match comme c'était le dernier. Ok. Voilà. Voilà pour mon analyse. Bon là on fait petit shoot avec Hugo. On a fait quoi là Hugo?
On a fait tous les deux points, ensuite on fait un petit peu de trois points, et puis ensuite on va revenir sur ce qu'on avait. Tu te rappelles, mon gros problème, c'était, enfin gros problème non, mais tu sais, avec les pertes de balles, il fallait me dire dans ma tête plus focus à attaquer. Et c'est vrai que ça avait fait du bien l'exercice qu'on faisait la dernière fois, qu'on va le refaire, toujours soutenu parce qu'avec les problèmes qu'on a un peu de cheville, les trucs qu'on peut avoir par-ci par-là, puis voilà, puis on est vendredi. Putain, entraînement ce soir encore. Et bah ça commence bien. Allez, bon. Ah la vache, si je loupe le prochain, je dois offrir un iPhone à mes abonnés. Ceux qui like. Oh ok. En fait, je te jure, depuis tout à l'heure, là j'ai 10, dès que je commence à shooter, tu sais, je pense à rien, je shoot, tac, en fait, et que j'oublie que quand je suis au bout de mon shoot et que je dois dégainer rapidement, ça tire à droite, à gauche, là, c'est n'importe quoi. Que si je pousse bien et que je fais l'effort de pousser au dernier moment, hop, je lâche, bah c'est bon. Allez, à toi. Ah. Oh. J'aime bien faire cette blague. Vous la faites jamais, vous? Hein? Oui, si. Oh, fais gaffe! Je suis en dessous! Yes! Faut que j'oublie de prendre le contact, c'est vrai. Voilà, contact. Fais l'ouvrir, hop. Voilà ce qu'on a bossé un petit peu l'attaque, hein. Voilà, avec la mentalité. Alors des fois j'oublie, tu vois, j'ai le ballon, puis j'oublie un peu parce que je suis fatigué, du coup je vais shooter ou autre, mais toujours cet esprit de dunk. Vous avez vu, j'ai fait une attaque sur Hugo comme ça où j'ai sauté, j'essaie d'attraper l'arceau à deux pieds, donc voilà, il y a de l'explosivité, tout ça, donc ça c'est bon, ça fait plaisir. Maintenant voilà, faut pas hésiter à attaquer. Le terrain va être petit, très petit, donc voilà, ça va être des petites attaques. Il va falloir attaquer dans l'axe, ils vont à mon avis faire des une défense zone, hein, voilà, donc il faudra bien attaquer cet intervalle-là dans l'axe et puis voir ce que ça va avoir, hein. Normalement, bon, je m'entraîne pour. Puis voilà, souvent dans des matchs comme ça, il y en a, on peut passer à côté ou autre, mais on s'en moque. Du moment qu'on bosse bien à côté, rien à regretter, après c'est comme ça, se remettre en question sur tout et puis voilà. Là, il y a eu le genou qui gonfle un peu parce que lors du dernier match, bah, on a tout donné, hein, défense, attaque, du coup ça gonfle. Et voilà, un petit peu, mais bon, ça va, on continue les exercices quand même sur le genou, ça permet qu'il dégonfle, et enlever des charges. Puis voilà, hein, on essaye d'en prendre soin. C'est toujours chiant, hein, quand t'as un genou opéré, bah ça arrive, t'es vite, dès que t'es fatigué, bah ça gonfle, donc ouais, c'est chiant. Voilà, les frérots, sans plus attendre, bah on se rejoint pour après, hein. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Et puis voilà, si t'aimes bien les vlogs, les tutos basket, bah t'es sur le bon endroit. Donc on t'attend directement. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre, hein, est-ce que franchement, si c'est un autre qui marque au panier adverse, s'il marque à ta place, s'il marque contre son camp, à qui on donne le point? Bonne question, les gars. Allez. Ben tiens, regarde donc le pot, franchement, t'es quand il vient. Hey, regarde quand ça transforme. Oui, mon chef, le comté, le Jura. Tu connais le check, mais non? Bah tu arrives, mais ça va bien, puis toi, tu check, mais... Ouais, là, les gars. Minibus de la ville récupéré, on est vendredi, c'est tout bon. L'essence, on est bon. Voilà, contrôle technique, yes. Là, on ramène ça à la salle, donc c'est bien parce que là, il y a Hugo qui est avec moi. Voilà, parce que d'habitude, voilà, c'est chiant de faire ça. Là, je dois marcher, ça prend au moins 2 heures. Ouais, ça prend 2 heures.
Oula. Ah, tu fais ça tout seul d'habitude? Ouais, je fais ça tout seul, voilà, avec mon petit minibus. 157 000 km, il a pas fait la vendange, René! Il a pas. Mais. J'avais envoyé un message! C'est genre. Je sais pas comme ça. Aïe aïe aïe! T'es bien dans le camion à tonton? Voilà, du coup, on rentre. On rentre à pied là. Allez. On va se voir à 16h. Ouais, vas-y. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Ok, on joue, on essaye. Et ça va le faire. Ok? Allez. Les gars, jour J, match, voilà, là j'ai joué avec mes U15, comme vous avez pu voir, voilà, c'était match de mes U15, du coup je les ai coachés, c'était grave cool, victoire pour eux en tout cas, donc voilà, avec des bonnes choses qu'on voit aux entraînements, enfin bref. Là, ben voilà, je suis rentré chez moi, après-midi, comme vous savez, début de semaine, bah, après le match, gros match qu'on a fait, ben, j'ai le genou qui avait gonflé. Donc j'arrive début de semaine lundi, je me dis, bon, ben, il faut faire le programme. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de, on va dire, de renfaux, de phases isométriques pour justement ben, protéger tout ça. Donc j'ai eu zéro douleur, hein, bien sûr. Mais par contre, voilà, le genou commence, le fait de faire ces petits exercices quand même, bah, ça diminue, ça fait rien de plus, mais il y a toujours cette eau qui est dans le genou qui est bien présente. Donc voilà, rien de très grave, mais il faut faire attention. Voilà, de ne pas perdre en mobilité du genou pour pas qu'il y ait un accident ou autre. Mais bon, de toute façon, on donne tout pour que ça aille pour le mieux. Après, voilà, on n'est pas à l'abri, mais voilà, on fait attention. Après, on a été shooté aussi. On a été shooté avec Hugo. Ensuite, j'ai joué un petit peu aussi sur du 1 contre 1 avec Hugo pour travailler des phases. Et puis, voilà, c'est déjà une grosse semaine. Et puis derrière, et ben voilà, on a travaillé, un jeudi entraînement, tout s'est bien passé. Puis là aujourd'hui, je suis rentré, je viens de faire l'eau chaude, l'eau froide. Là, je vais masser le genou avant d'aller dans le minibus. Matin, je me suis étiré. On a fait aussi un peu le rouleau aussi, tout ça, c'est le rouleau de massage. Et puis, puis voilà, là on va aller tout simplement bah, masser ce genou. Je vais t'emmener avec moi là, juste à côté. Et puis on masse ce genou, on s'endort un petit peu. La petite sieste, elle est très importante. Sieste, méditation, tu connais. Voilà, donc on se répète dans la tête qu'il faut aller dunker. Parce que c'est comme ça que je réussirai à aller retrouver cette attaque forte et percutante que je peux avoir. Donc voilà, déjà sur focus sur ça. Là, c'est le gros focus sur ça. Derrière, cette mentalité du guerrier est très importante. Et on se la rentre en tête, on se la répète. Dites-vous bien que si vous répétez les choses dans la tête, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Il ne faut jamais baisser les bras, il faut aller, jamais se fixer des trucs forcément trop en objectif, mais sinon, tout le monde est capable. Donc les gars, ne lâchez rien, on se rejoint à côté les gars, en tout cas. Et hop là, les gars, on est place. On est en place, les gars, on masse le genou. Donc là, je prends ma petite crème. Donc voilà, ceux qui ne savent pas, en fait, je me suis fait opérer donc des ligaments croisés. Et du coup, même un an et demi, deux ans après, bah, tu as toujours des trucs un peu chelous. Malgré que moi, j'ai plus de douleur. Mais voilà, quand tu forces trop un truc chelou qui va se mettre dans les genoux, bah, hop, l'eau, elle revient. C'est une protection de ton genou. Rien de grave, quoi. Faut juste en prendre soin, quoi. Donc là, on en prend soin. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, là je vais aller chercher tout simplement un petit peu là, donc sur la tablette, un petit match où il y a beaucoup de dunk. Hein, comme ça je vais mettre dedans. Hop, dunk. Là, let's go, regarde, j'ai l'eau. Pile poil, parce que j'ai déjà bu un litre 5 aujourd'hui déjà, donc ça c'est cool. Là j'ai repris de l'eau et puis je me suis pris des petites graines. Voilà, ces petites graines, ça évite de manger des bonbons parce que des fois on est comme tout le monde, on a des envies, puis il faut éviter de manger trop de bonbons, surtout quand t'as un match quoi. C'est pas très bon pour vous. Donc voilà, installation les gars, on se rejoint après de toute façon pour aller au match. Là je prends soin de moi, là il me reste je sais pas beaucoup de temps, mais tiens, faut que je mette le réveil d'ailleurs parce que. Si je m'endors, 15h29, on a rendez-vous à ça à 16h45. Ça me laisse assez le temps. Les gars, ciao, à tout de suite. Let's go. C'est parti. En haut de la montagne. De la campagne. Voilà. Excellent. Donc, là, sans plus attendre, on met le match. On met le match, les frérots. Hein. Let's go. I want the back of a rug. Yeah. He
You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and hop là, il est bien puissant celui-là. Celui-là il fait plaisir. Petit check avec moi Abdel. Et voilà, là ça joue au début du match. Donc là par moi il avait marché. Donc, dommage, petit shoot comme ça, ça rentre. Là derrière, voilà, on la donne en bas. Il essaye de jouer. Derrière il y a du monde de disponible. Il a failli la perdre. Il y a, voilà. Mais il tire, il joue son jeu. Donc bro, là il a mis. Hein, donc c'est cool, c'est rentré. Là on attaque fort. Hop là, je drift sur mon pied. Bon, début de match un peu compliqué. Très compliqué là le début de match. Voilà, mais bon, on se remet vite dedans. Boum, on se décale. On va chercher haut, d'accord. Parce que là, sinon, il va me prendre un cake monumental. Ici, on donne le ballon. Il essaye de jouer l'écran d'Eyan pour notre meneur. Le meneur qui. Ah, voilà, qui se décale. Donc là, gros 3 points de ma part. Donc ça, c'est cool. Dès le début de match, on revient dedans. Là, je suis à l'opposé. Il voit ce qui se passe. Il y en a un qui est dans l'axe. Donc, boum, il tire, il dégaine. Ça rentre dedans. Donc ça, c'est cool. Ici, tir de notre meneur, ça rentre aussi également, on voit que ça défend loin. Là, il va chercher à l'opposé, bah, ça shoot directement, ça défend loin, donc forcément, prise de shoot. Ici, on vient la donner à l'intérieur, il essaye de jouer, il prend contact, il voit qu'il y en a un qui a tendance à revenir. Donc il lâche son ballon à l'opposé, balle en bas, donc ça va, il était bien dedans, donc voilà. Ouais, ça c'est cool. Ici, là, hop, la petite attaque, t'as capté. Attends, ça leur met un petit ralenti, mais regarde. Là, hop, on regarde à l'opposé. Hop, et voilà. Oh, j'aime bien ça. C'est, je le fais pas souvent, mais bon, quand je le fais, je suis content. Là, je suis content. La check, apparemment, bon, voilà. Je vous ai mis après l'autre côté avec les scores, vous inquiétez pas. Hein. Ici, boum, il prend l'écran, il y avec, il arrive, voilà. Il arrive à avoir la pick and roll avec l'intérieur, donc ça c'est cool. Il y a une bonne relation entre les deux. Là, j'attaque fort. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Là, gros dunk. Là, grosse attaque déjà, pas percutant. Je vois qu'il y en a deux carrés, je me dis, c'est pas grave, faut y aller. Pouf ! Oh là là. Ah, je kiffe trop. En plus, c'est méga après qu'ils applaudissent. Donc ça, c'est grave kiffant. Là, on dégaine un shoot qui n'est pas mis, d'accord. Donc voilà. Il était loin, il était bloqué dans l'écran. Donc j'ai pris la décision de prendre un shoot. Là, je lui fais un écran lui aussi. Je sais pas ce qu'il y a, donc là il y a encore un écran, prise à deux, ça donne le ballon, on va voir à l'opposé avec Ludo, Ludo qui dégaine un tir du coup, boum, il restait que 2 secondes, en plus 3 secondes, donc ça c'est cool, ça fait grave plaisir. Là boum, on essaye de chercher, et hop, ah, faute, et non, faute, non, il avait marché, dites-nous en commentaire, les arbitres, oh, les joueurs aussi. Ici on demande le ballon, boum, il est loin, on attaque fort, contact la chef, et Samy, il a bien sauté le chef. Là j'ai pris un contact, je suis parti, je sais pas où, là hop. Petit tir, donc ça souvent c'est rare de les mettre, mais fallait le prendre. Donc voilà, j'ai fait deux lancers derrière. Si il craque, mais il rentre, hein, on va pas se plaindre. Ici, hop, je prends le ballon, défense assez loin, il vient me prendre un écran. Là, j'attaque fort parce que je vois que le grand il vient sur moi. Flotteur il est pas mis, mais je prends le rebond sur tout le monde et je le mets. Donc ça, c'est cool. Donc très bien d'avoir été chercher mon propre rebond. Là, je voulais aller dunker et là en fait, ça fait un truc bizarre, je sais pas. Pas compris, donc pas de dunk, voilà, c'est pas grave. Ici, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu vas pour dunker là. Enfin bref. Là hop, oh, il tombe mais c'est pas grave, il regarde bien, il se relève de plus belle, il reçoit le ballon, rien à faire, juste avant il est tombé, il dégaine un shoot et pow. Ah là là, notre François est chaud, là, je dis restez pour essayer de piquer des ballons, ça marche bien, boum, on a réussi à avoir un ballon, la petite passe dans le dos pour éviter qu'il prenne ce ballon là, donc ça c'est cool, là ça fait 2 points, hop, apparemment temps mort, lui il m'explique qu'il faut que je défende pas trop près, il faut que je sois un petit peu plus loin, enfin, voilà, là, ça faut... Tout simplement défendre plus loin, ce qu'il m'a dit. Là, je refais en tout cas un footer, c'est pas mis. Je reprends mon propre rebond. Voilà, pour éviter ça et pas hésiter quand votre joueur il shoot, bah, de le bloquer pour pas que, par exemple, comme là, j'aille au rebond. Voilà. Là, j'essaie de faire un écran. Je croyais que Ludo était derrière, mais il est venu vers moi. Donc, on était comme des bêtes à deux du même côté. Il ne faut pas être deux du même côté hein, quand vous jouez au basket. Ça, voilà. Ici, voilà. Donc, je suis sorti 6 minutes au dernier quart-temps. Après, il y a eu mi-temps. Et après, je reviens juste après quand il reste. Parce que je suis pas rentré tout de suite.
Donc voilà, enfin il me semble. Donc là je prends les rebonds. Oh là j'étais haut. J'étais haut, je pensais pas être haut parce que là, les doigts touchent l'arceau alors que je suis à pelle de pied. Shoot, il met pas. Je reprends encore un rebond, je feinte et je. Mais j'aurais même pu peut-être dunker, mais là, voilà. Là j'avais pas en tête le dunk. Il faut pas l'oublier. Là il attaque. Oh, il aurait pu y aller tout seul, mais il décide de lâcher avec notre Joe. Donc ça c'est cool. Qui met dedans? Ici, boum, on joue avec notre grand. Le grand qui va. Bah, tiré, il y a la faute avec, donc ça c'est grave bien. Ici pareil, il vient, il la redonne à notre meneur qui va essayer. Oh, ok, il la joue très bien avec notre grand Joe encore. Donc voilà, là, boum, il va y avoir normalement une faute. Il provoque, ça fait du bien, il met dedans en plus. Là, hop, bon là j'ai joué, je vais voir même Kevin, je lui dis ah, excuse-moi parce que j'aurais dû lâcher son ballon, mon ballon parce que là j'ai trop gardé le ballon, c'était pas bon. Là, petit tir, il prend le bras, donc faute. Ça me fait mes deux petits lancers, c'est cool. Ici, on attaque fort. Là, attention, il faut pas faire ça. Si ton grand, il coupe, ne coupe pas en même temps parce que tu emmènes ton défenseur. Donc, faire attention, bien lire ça. Ici, il le renferme à deux, donc il lâche à l'opposé. Là, j'ai un shoot, il aurait pu avoir un extra pass, mais je le mets, donc ça, c'est cool sur le 3 points. Ici, hop, contre-attaque, on sait pas ce qu'on va faire. Oh là, les gars. Là, regarde, attends, je te le remets. Frérot, ça fait du bien, ça. Tu vois, tu prends, tu te dépatouilles avec ton ballon, tu relèves la tête et là, bang, bien explosif. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est ce genre de dunk en plein match qu'on veut. Et attends bien parce que c'est pas fini, surtout. Ce n'est pas fini, les gars. Là, il attaque, donc très bien. Il va chercher donc derrière, ça fait faute, donc N1, donc ça c'est cool. Là, on me ressort, là, donc voilà, donc c'est pas grave, je suis content. Ça me repose un peu mon genou hein, qui est gonflé. Ici, il attaque, boum, il joue avec Ludo qui essaye d'avoir sa faute, et derrière, je crois qu'il l'a eu, hein. je sais pas ce que c'était. Là, voilà, faute aussi pour notre Joe. Joe, hop, il la donne avec ration intérieure, donc là, elle est passée tout juste, hein. On a de la chance sur celle-là, mais bon, c'est bien, de toute façon, elle est rentrée. Ici, hop, je la demande, je coupe. Je sais pas comment elle est rentrée celle-là, mais elle y est parce que je suis juste en dessous la planche. Donc voilà, des fois faut pas chercher à comprendre. Là, hop, 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 et là, bang! Oh là, j'adore ce genre de dunk. Et par contre, je crois qu'il y a eu faute avant, donc il a pas compté ou un truc comme ça. Mais bon, attends là, ça fait plaisir. Ici, hop, il la joue, il la met à l'opposé de notre François qui dégaine. Boum, ça rentre dedans, très adroit sur ça. Ici encore, il arrive, hop, il fait sa petite feinte qui arrive à avoir une faute derrière, donc bien construit de notre Joe. Voilà, là, il a les lancers. Il a tout simplement les lancers. Je dis à l'arbitre, tu t'es trompé, hein, parce que là, c'est 1 et pas 2. Et je rigole, je dis, en plus, t'es examiné. On rigole comme ça. Et puis voilà, ouais, c'est bon enfant. Ici, il y a une petite contre-attaque. Là, je sais, regarde, j'y vais, j'ai même pas regardé pour moi. Et je me dis, il va me mettre un cake, l'enfoiré. Et en fait, regarde, je regarde même pas. Hop, je suis là, je regarde pas. Je lui dis, ça y est, c'est mort. Et puis, il tape la planche, puis ça rentre. Après, je regarde, je dis, oh, punaise, ah bien, la chance. J'ai la chance. Ici, hop, on joue, j'attaque fort. Hop, ça, une extrémiste un peu, parce qu'il tape mon ballon, en plus, en plein. Il n'y a pas faute, mais il tape le ballon. Là, il crée, donc là, il arrive à avoir une faute. Il le joue bien, derrière, ça lui fait des lancers. Il retire directement, il est libre, parce qu'il est assez loin, là, son défenseur. Derrière, je la donne à notre meneur qui tire, donc là, c'est loupé. Il la retire aussi, et bah, c'est mis dedans, donc heureusement qu'il a bien pris le rebond. Ici, François, il shoot, il le loupe. Je reprends le rebond, je sais pas trop comment, et boum, on remet, donc ça, c'est cool. Ici, fini, il lance au ballon, et le met. Voilà, là, c'est le pompon sur la Garonne, voilà. Point positif, point négatif, on y vient tout de suite pour la progression. Bah, point négatif, c'est qu'au début, il y a eu des petites pertes de balles comme ça, d'accord. Faire attention. Des fois, quand je marquais, bah, il fallait revenir plus vite en défense. Et bah, pas que moi, mais on était un peu perdu sur ça. Et puis, quand on trappait sur les côtés, bah, à l'opposé, ça ne suivait pas forcément tout le temps. Ok, donc ça, il faut peut-être corriger, être plus assidu sur ça. Après, on a respecté, on a été vraiment... on a essayé de jouer au mieux qu'on pouvait, hein, voilà, au mieux qu'on pouvait, comme si c'était une grosse équipe. Et puis,
essayer de travailler. Donc ça, c'est cool, essayer de travailler. On a joué en passe comme il fallait quand même. Donc c'est moins individualiste qu'en début de saison. Donc ça, on a compris que c'est notre point fort. Voilà, après, en point faible, à un moment, je sais, ouais, j'ai eu du mal à revenir après mes. Enfin, tu sais, deuxième quart-temps, je sors 6 minutes. Et là, c'est le temps. Je crois que c'est la mi-temps. Après, je reviens, mais je crois pas que je rentre tout de suite. Et du coup, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Donc je jouais, mais je me prenais pas la tête. Je jouais comme normal, tu vois. Et après, bon, je me remets dedans, je suis dynamique, j'encourage mes gars, j'encourage mon équipe, même quand je loupe, je les encourage. Et puis en fait, ça me permet de me mettre dedans moi aussi en même temps. Et boum, c'est parti, là, je suis reparti. Donc voilà, ce petit temps-là, faire attention, essayer de le corriger. Mais bon, attends, je suis humain aussi. Je peux avoir mes petits temps un peu comme ça de frustration. Mais bon, je les corrige assez rapidement. Donc c'est ça aussi qui est un point positif, on va dire. Avant-dernier match, je crois que je suis à, je sais plus, soit 29-30 points. Là, le dernier match, 30 points. Et là, je suis à 33 points. D'accord. Après, bon, c'est parce que je suis un joueur qui va driver, qui va shooter. Avant, je ne tournais pas autant, mais c'est le fait d'avoir amélioré mon shoot qui m'emmène tout ça. Donc, c'est cool, il faut continuer. Voilà, moi, je ne me focalise pas sur les points, mais forcément, quand on me tag, par exemple, sur Monsieur Stat ou autre, ben, je vois. D'accord. En plus, il fait un super boulot. Je ne sais pas si vous connaissez, mais n'hésitez pas d'aller voir. Il y a tous les résultats et autres. Tous les clubs vont voir sur Monsieur Stat. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et bon, moi, je suis quelqu'un qui ne va pas voir tout le temps parce que sinon, je joue pour ça, pour mes points, machin, et je n'aime pas. Donc, je vais voir enfin. De saison souvent pour voir ce qui s'est passé, d'accord, et voilà, moi je me préoccupe pas de ça. Après, c'est un choix personnel, mais voilà, ça peut être intéressant pour vous en tout cas qui regardez. Voilà, et puis après on a tout simplement tous les abonnés qui sont venus, donc beaucoup d'abonnés qui viennent, d'accord, au match. Donc ça fait kiffer parce qu'on peut prendre des photos, on peut échanger, on peut parler aussi également un petit peu, même s'il y a du monde, mais voilà, c'est bien. Moi j'aime bien, je joue le jeu, même si je perds et même si je gagne, peu importe. Voilà, parce qu'il y en a qui ont fait la route, le déplacement, mais c'est juste kiffant, ça, c'est grave kiffant, donc voilà. En tout cas, Kurgis, c'était un club vraiment okay, voilà, chaleureux. Les dirigeants, même après, quand tu es là, tu manges, tu parles avec eux. Franchement, c'est bon délire. C'est un bon club. Même s'ils vont redescendre, bah, qu'ils gardent cette mentalité-là parce que bonne mentalité. Et c'était kiffant de venir jouer là-haut, en tout cas. Les gars, West Lyonnais, Uber, 20 points. Ah, Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Poligny, on est devant. On est devant parce que West Lyonnais perd. En fait, West Lyonnais a clairement, perdu contre Nuit-Saint-Georges. Et Nuit-Saint-Georges a gagné 77 et 57 pour West Lyonnais. Donc 20 points, les gars. 20 points pour West Lyonnais. West Lyonnais qui était premier ex aequo avec nous et maintenant qui passe derrière. Donc là, on prend le point. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On a également, après, sur Pro Tout, Starar contre Clermont. D'accord, c'est Clermont qui gagne. Donc voilà, plutôt cool. Après, on a Poligny, donc nous contre Kurgis. Donc voilà, on a gagné, ça c'est cool. Prissé Macon qui a joué contre Salins, donc Salins qui a gagné. La Grêle qui joue contre Chenauve. Donc là, petit score, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, Chenauve contre La Grêle. 17-14. Grosse défense, je pense, ou arrêt du match. Ouais, je pense plus qu'il y a arrêt du match, il y a eu un truc bizarre, donc voilà. Ensuite, Dadol contre AL Caluire, donc là, 76 pour Dadol, Dadol qui gagne. Et puis, Montmoreau contre Le Coteau, donc Montmoreau qui met un assez gros score. Puis, West Lyonnais et Nuit-Saint-Georges, hein. Donc là, voilà, où Nuit-Saint-Georges gagne. Ce qui se nous fait, donc en tout dernier, donc on a donc Kurgis, puis Le Coteau. Ensuite, on a en troisième Chenauve, enfin en troisième des derniers, hein, Chenauve. Et ensuite, La Grêle, Nuit-Saint-Georges, ok, Caluire. Et puis après, quand on remonte, on voit en quatrième Salins. Salins, une équipe qu'on va jouer. On va jouer à la maison, donc bon, ça va être une équipe. Voilà, il va falloir jouer comme d'hab. C'est une équipe comme toutes les autres équipes. C'est juste que c'est cool parce que c'est un derby et les derbies, c'est toujours bien parce qu'il y a du monde. Les gens, ils se mettent de la pression dans les publics plus que, enfin, en tout cas, que certains joueurs. Donc c'est cool. Non, c'est bon match à voir. Donc si vous avez l'occasion de voir des derbies, faut pas hésiter d'y aller. Et puis voilà, donc ça voilà, gros derby, et puis voilà les gars, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous voilà, vous avez vu que la progression qu'on s'était fixée, on la suit encore, et puis elle suit bien son chemin, donc on va essayer de pas lâcher sur ça. Et puis j'espère que vous allez mettre le like, hein, le bouton t'abonner, et puis de revenir aussi sur certaines situations les gars, que vous avez pu voir, hein, pour revenir en commentaire sur des décisions d'arbitre ou autres, ceux qui sont arbitres, ceux qui sont coach, ceux qui sont joueurs pour certains, voir ce qu'ils en pensent, comme ça on évolue tous ensemble. Et ça, c'est vraiment important, au mieux de regarder simplement la vidéo, si on peut évoluer en même temps sur certains critères, c'est encore du kiff. On se rejoint pour le prochain vlog contre
Bah Salin, j'espère que vous serez chaud. Déjà, ça va pas être ce week-end-là, parce que ce week-end-là, c'est off. On a la fondue du basket. On va se régaler. On va manger bien toute la semaine parce qu'on va se rattraper pour le samedi. Et puis, ça va être semaine prochaine. Donc, je pense que je vous mettrai une vidéo type tuto. Donc, dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez voir un peu ce contenu-là. Les gars, à la prochaine. Gros bisous. Et puis, en tout cas, taffez bien sur le terrain et progressez bien. Ça, c'est très intéressant.